Bonjour tout le monde, avant que la vidéo commence, je vous présente ma boutique de t-shirts. Donc à l'intérieur, vous pouvez trouver des centaines de produits à l'effigie des personnages qui jouent dans mes vidéos. Donc le lien, il est dans la description. Vous pouvez choisir plein de tailles, plein de coloris. Et il y a des nouveaux produits qui sortent toutes les semaines. Donc allez-y, foncez. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Allez, je vous souhaite un bon visionnage. Salut tout le monde, c'est Oxymose. Aujourd'hui, les amis, eh bien, le Père Noël m'a fait un magnifique cadeau. Ma maison est en train de s'effondrer. Mais regardez, je suis en train de la sauver. Et j'ai trouvé une solution dans la dernière vidéo. C'est de mettre des ballons sur la maison. Comme on avait fait dans ma dernière maison. Mais cette fois-ci, pour la faire décoller, juste pour déménager. Là, c'est vraiment pour la refaire soulever du sol. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. Mettez un max de pouces bleus, les amis, pour que cette vidéo se passe bien. Sinon, votre maison va s'écrouler aussi, et abonnez-vous, sinon votre maison elle va s'écrouler, plus elle va s'envoler. Non, je rigole. Bon les amis, n'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas le petit abonnement. Je remercie comme d'habitude les gens qui se sont abonnés, donc merci beaucoup à Zapper19, à Miss Loulou LPS, à Ludovic Baudouin et à Léa la plus belle et à Léa Duval. Ok, il y a deux Léa. Je sais même pas combien de personnes j'ai remercié. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent, c'est ultra important. Go 600 000 abonnés. Allez, donc aujourd'hui les amis, on doit continuer de renforcer la structure. Donc je l'ai hors vidéo, j'en ai fait un petit peu, mais évidemment ça suffit pas. Donc on y va, on continue. Et après, une fois que la structure elle est terminée, donc elle est bientôt finie, hein. Une fois que la structure elle est terminée, on s'attaque directement au, on s'attaque directement à comment ça s'appelle, à foutre les ballons carrément dessus, quoi. Hein. On fout les ballons. On fout les ballons dessus et comme ça on sera bon. Donc alors déjà faut pas que je fasse des trucs bêtes. Voilà, on va faire ça. On prend les bons matériaux les amis. Donc voilà, c'est censé ressembler à ça. Bon, c'est vrai que maintenant ça fait un peu une charpente métallique et tout, mais au moins là la maison elle est sauvée. Et qu'est-ce qui est plus beau que ça, quoi. Genre y a pas plus beau que ça, que la maison soit sauvée des vilaines, du vilain risque d'effondrement. Non là franchement je suis conquis les amis. Et voilà. Donc la base sera posée ici. Voilà, la base des ballons sera posée ici. Je pense même que voilà, on peut faire un truc comme ça. Voilà, il faut une base solide pour poser les ballons. Et je pense que ça c'est le meilleur truc. Alors voilà. Et ici, tac 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 tac. Voilà, donc là on est bon. Et est-ce que on peut commencer? Ouais, on peut faire ça. Voilà, nickel. Voilà, et c'est là où on mettra le premier fil pour les premiers ballons. Alors la maison, je sais pas si elle pourra s'envoler tout de suite. Vous rappelez quand on s'est envolé pour la maison, ça a mis un peu de temps quand même. Alors comment on peut faire? On fait ça. Ah ouais, là on peut pas trop. Est-ce que on peut faire un truc comme ça? Alors, alors attendez. Ah oui, d'accord, ok. D'accord. Je voyais pas comment c'était possible. Là, on peut faire ça, voilà. Donc là, on est bon. On continue le pylône ici. J'essaie vraiment que ça soit renfort maximal, quoi. Donc voilà, c'est là où il y aura. Voilà, c'est là où il y aura les premiers ballons, ok. Donc là, on est bon. On va continuer de faire un beau truc métallique pour que ça soit bien renfort, tu vois. Hop, 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 hop. J'espère que ça va pas. Ah bah non, ça passe tout pile, c'est nickel. C'est nickel, les amis. Parfait, parfait. Et bah écoutez, là on est bon, hein. Là ça a l'air d'être bon. Alors l'autre côté de la maison, je l'ai pas renforcé. Écoutez, je vais m'en charger, mais il faut enlever le. Voilà. Il faut enlever le. J'ai pas envie de prendre du risque et de. Que ma maison se détache. Et vous vous rappelez la dernière fois, quand on a mis des ballons à notre maison, en plein vol, la maison elle s'est coupée en deux. Il y a ma chambre, la chambre de mon fils et de ma petite soeur, et une partie du salon qui... Je crois qu'il y avait ma chambre, hein, dans l'histoire. En tout cas, ça s'était totalement... c'est tombé par terre en fait. On l'a reconstruite par la suite quand on a restauré la maison. Mais sinon, voilà, on est obligé de... Voilà, on va prendre aucun risque, les amis, que la maison, il y a une partie qui se détache et tout. Voilà, il faut refaire un beau truc métallique. Alors ici, on va pas s'embêter non plus. On va faire deux gros pylônes comme ça. Alors on fait deux énormes pylônes comme ça.
qui vont très haut, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors comme ils vont haut, on va essayer de les renforcer. Donc il y a Luki avec moi, vous avez vu, il y a Luki avec moi les amis. Donc tac, tac, tac. Et c'est, d'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve ça impressionnant. Je trouve ça impressionnant. Dites-moi ce que vous en pensez, le fait que la maison soit entourée de gros piliers métalliques, je trouve ça vraiment vraiment impressionnant. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Regarde ça, on dirait un échafaudage géant. Non, en vrai, ça fait limite un peu peur, mais tranquille, on va s'en sortir les amis. C'est une histoire de quelques, ne vous inquiétez pas, de quelques petits ballons à mettre, hein. On va pas se s'affoler pour rien. Alors j'essaie de voir à peu près pour être hop voilà, et ici on est à ce niveau là ok, alors tac 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 ok, voilà, j'essaie d'être un peu raccord les amis pour pouvoir faire un truc propre quand même. Ok, et ici ok. Là, on est bon. Ok, donc là, on est bon, les amis. on va faire ça. Tac, tac, tac. Et là, alors, il y a un d'espace. Et là, un. Tac, 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 tac. Voilà, comme ça, ça soutient à fond la maison. Vous allez voir le truc que j'ai fait, les amis. Donc, du coup, on m'a donné des meilleurs plans. Hein. Les abonnés dans les commentaires, ils m'ont dit, ouais, il faut que tu fasses comme ça, comme ça, comme ça. Donc, je vous écoute. Et voilà, je prends note. Vous êtes... Il y a souvent des gens qui sont calés dans les domaines, hein, quand je parle des trucs. Donc, voilà. Donc là, regardez, c'est plutôt raccord. On dirait limite un pont. Je pense que c'est fait un peu exprès. Donc, tac. Tac. Alors, je fais n'importe quoi, les gars. Je fais n'importe quoi. Il faut juste, je pense, laisser comme ça. Peut-être après, voilà. Je fais n'importe... Eh, mais je fais n'importe quoi. Laissez... Ne me laissez pas entre les mains, hein, des trucs comme ça, les amis. Oh non, j'ai mis Luki. Reste ici, toi. Voilà. Voilà, c'est exactement ce que je voulais faire. C'est juste, je suis pas un pro. Et voilà. Ok. Donc, normalement, les amis, tout est bon. La structure devrait tenir. Ça fait flipper quand même. Hein. Bon, allez, let's go. Maintenant, on va commencer la pose des ballons. Alors, les ballons, on va quand même faire des trucs jolis. Vert, rouge, bleu, jaune. Alors, pas des blocs d'or, sinon ça va plus alourdir la maison qu'autre chose. violet, comme ça. Oui, oui, oui. Marron. Non, pas marron quand même. Et voilà, écoutez, là c'est déjà bien. On en a pas mal. Hop. 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 Hop, voilà. Et bah voilà, on est bon les amis. On est bon. Et là, regardez, c'est totalement aléatoire. Puisque je fais tourner ma molette hyper vite. Et voilà, donc du coup vous voyez un peu le délire. Voilà, on commence à mettre des ballons un peu partout. Tac, alors on va pas remplir non plus, on va juste faire une grande sphère. Tac, tac, tac. Bon, il y a beaucoup des mêmes couleurs qui sont utilisées. Mais en vrai, ça va globalement. Tac, ok. Non, il y a Luki. Reviens ici, toi. Voilà, non mais oh. Luki il voulait être... Mais non, ah merde, ah ouais, mais en fait je reste en sneak. Bon attends Luki, c'est trop dangereux pour toi, on descend. Voilà, on descend, tac, reste ici Luki. Ouah, wow, ça, hey, ça me rappelle des souvenirs, mais là c'est version ça rigole pas quoi. Parce que avant ma petite maison ça allait. Là, cette grosse maison en pierre les amis, je vous jure que là ça me fait limite un peu flipper que elle soit enfoncée dans la terre. Tellement elle est lourde quoi. Je pense qu'il va falloir beaucoup... Mais alors beaucoup plus de ballons qu'avant. Je vous le dis tout de suite. Avant, il fallait quelques ballons. Maintenant, je pense que il faudra. Mais quand je vous dis énormément de ballons, c'est que ça va pas rigoler. Hein. Ça va pas rigoler. Donc voilà, il faut en mettre un max, les gars. Je pense que même dans d'ici deux vidéos, trois vidéos entières à mettre des ballons comme ça, je n'arriverai pas à tout remplir. Donc écoutez, ce que je ferai. Simplement, c'est que bah je ferai un petit peu tous les jours et chaque jour
ça va augmenter et voilà, la taille va augmenter et un jour la maison va peut-être pas décoller, mais au moins bah si, elle va se décoller, mais elle va pas non plus s'envoler quoi. En tout cas, j'espère pas. J'espère pas. En tout cas, regardez les amis, ça avance déjà super bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors attendez, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne les amis. Ah bah franchement, ça va plus vite que ce que je pense hein. Ça va plus vite que ce que je pense. Oh la maison les amis, oh je vous explique pas le bordel. C'est quoi cette merde? Ça, les gens, alors Dark Luke, ma copine, quand ils vont revenir, mon fils, ils vont voir l'état de la maison, ils vont se dire mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est? Mais j'avoue, c'est quoi ce bordel? D'ailleurs, faudrait que je demande des explications à ma copine encore pour Jeff the Killer. J'ai toujours pas demandé, mais voilà. Eh, mais franchement, ça, c'est n'importe quoi. Bon, les amis, on va pas, je vais pas mettre des ballons pendant 20 ans non plus. Oubliez pas de vous abonner. Je vais vous laisser là pour cette vidéo. Je mettrai des ballons plus tard, etc., etc. Il y a ma chaîne secondaire si vous voulez aller voir d'autres vidéos. Sinon, allez voir la vidéo d'hier, d'avant-hier, etc. Pour suivre toute l'avancée des travaux. En tout cas, voilà les amis. Cette vidéo était assez courte, mais j'espère qu'elle vous aura plu. La boutique de t-shirt est dans la description. Tout est dans la description. N'hésitez pas à checker. Mettez un petit commentaire. Voilà. Une petite estimation de combien de ballons il faudra pour soulever la maison. 10 000, 20 000, 100 000. Dites-moi en commentaire. En tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. C'était Oxymos pour vous servir. Allez, ciao ciao.